Salut à tous, c'est Matenger pour l'épisode 10 de Let's Play de Fear 2 Project Origin. Donc c'est parti, on va continuer, on est toujours dans le métro, donc c'est parti. Alors ramenez le sergent Keegan, on est toujours avec ce boulet là qui est parti, mais bon voilà, je peux le comprendre, hein, ça doit être Alma. Enfin j'espère. Oula, il est là, on va y aller tout de suite. Bon bah il est plus là. Pourquoi pas lui tirer dans la jambe? Oula! Non, on peut pas lui tirer dans la jambe, comme ça il arrête d'avancer, logique. Oula! Il était là. Putain! Je tue des rats maintenant. Hein. Putain, ça m'a fait flipper. Oh non, mais pas les fantômes, j'aime pas ça. Je pense que j'étais obligé d'éteindre l'électricité en fait. Pour passer ici. Les fantômes, hein, c'est facile à tuer, mais... Mais ça me fait flipper. Oula! Les fantômes me fait plus flipper qu'Alma, c'est ça le truc. Putain. Bon, je recharge tous les 3 secondes, c'est ouf. Bah, tous les tirs en fait, hein. C'est connu. Voilà, j'ai tiré dessus. Voilà, lui je l'ai eu. Pas que je me pose de questions là. Voilà, je pense que ok. Donc là, faut que je rejoigne ben, les agents en fait, à la voiture, au VTB, DT, je sais pas quoi là. Mais le problème, c'est que y a toujours l'autre que je dois aller chercher. Hein. Cette mission là, elle n'est pas terminée. Donc. Là-bas, y a rien. Moi, je voudrais bien une armure et puis quelques trousses de soins parce que là, ça m'a l'air d'être un peu plus difficile qu'au début. Là, il y a une note, je vais la prendre. Alors, extension de ligne personnelle du métro. L'extension de la ligne orange entre Sodo et... Hein, Sodo, hein, d'accord. Et l'Est d'Auburn a été annulée d'après les informations que nous avons pu recueillir. Un système souterrain traverse déjà la zone. Apparemment, il s'agirait d'une opération gouvernementale classée secrète, mais impossible d'en savoir plus. Si les usagers vous questionnent sur cette extension, dites que le projet a été annulé à la suite de problèmes géologiques et que la municipalité se penche sur les avantages économiques d'une ligne à ciel ouvert. Ok. Bon, hein, c'était le directeur, on s'en fout de lire à la suite. Ouais. D'accord, bon ben on va monter où? Vers là-bas je suppose? Ou là? Ah ici il y a quelque chose apparemment. Alors. Ok, c'est intéressant. Ok, il n'y a pas d'armure. Il n'y a pas d'armure. Non mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste sauter, mais il a sauté au-dessus. C'est quoi ça? Hammerhead. Hammerhead, ouais, non, c'est les pistolets à clous. Non merci. Même si l'autre je l'utilise pas plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de munitions, faut le dire. Et ben voilà une armure. Intéressant. C'est cool. Donc là j'ai qu'une grenade frag, une grenade électrique et deux grenades flammes. Je sais pas comment on l'appelle ça. Incendiaire, voilà, putain.
Bah. Hey. Voilà, les grenades électriques, ça électrocute. Électrocute dans l'eau, donc ça c'est intéressant pour les ennemis normaux. Oula. Je peux même pas me gratter là. Parce que mon nez il gratte, mais. De toute façon, c'est toujours quand c'est les jeux vidéo ça. Quand on joue aux jeux vidéo, il y a toujours quelque chose qui nous gêne. Pourquoi j'avance tout seul? Là, j'appuie plus. Hein. Et j'avance tout seul. Ouais, bon bah lui, il s'est, je sais pas ce qu'il a fait, mais il s'est tué tout seul. Là. Même pas besoin de moi. Allez. T'as le droit de me donner des munitions, merci. Donc là, on a plus de munitions que celui-là. Donc ça, c'est cool. Ils utilisent plus le fusil à pompe maintenant. Donc on va l'utiliser maintenant. Hop. Hey. Lui, attends là. Je suis mort. Je suis pas mort. Putain, coup de fusil à pompe dans les yeux, dans la tête quoi. Il ne meurt pas le mec, c'est fort. Ça explose ça? Oh non. Ça aurait pu. Il y a toujours des petits flingues posés sur les tables, mais bon. On l'utilise presque jamais, donc je vois pas pourquoi. Mais c'est au cas où qu'on a vraiment plus de munitions. Mais là vraiment, je suis assez tranquille là. Voilà, armure. Ah, c'est peut-être cette ligne-là qui disait qu'il fallait pas aller dessus. Ça se voit en tout cas. Bon, allez, je vais rejouer avec le ralenti quand même. Parce que ça faisait longtemps en fait, hein, jouer normalement là, mais. Pourtant, on joue pas à un autre FPS en ce moment, donc je sais pas pourquoi. Ok, donc là, il doit avoir un bouton quelque part. Un bouton quelque part pour enlever l'électricité, ça doit être dans cette pièce, non? Alors, il n'y a même pas d'ordi, donc Et ils sont où les mecs? Je les vois pas. Donc là, je vais essayer de sauter. Oh bah, on n'est pas obligé de sauter apparemment. Oh putain, il rentre de l'autre côté. Enfoiré. Hop, voilà, je saute, c'est bon. Voilà. On va aller là. Non, il n'y a rien. Là-dedans, je pense que l'électricité est là-dedans. Hop. On désactive. Et là normalement.
Voilà, il est mort. T'as l'eau, mais il est vraiment mal faite là. C'est quoi ça? Hop, ça c'est quoi? Laser? Laser, c'est-à-dire. Mais je sais pas pourquoi ça glisse ici. Ah ouais, quand même. Ok, bon, on va le prendre. C'est, bah, je crois que c'est nouveau. Ça, j'ai jamais vu dans le 1. Donc, on va le tester. On va le tester. Oula, ici, ça me fait penser plus dans des endroits clos comme dans Condemned. Condemned que je vais vous faire. D'ailleurs. Que je vais vous faire pour bah, avant de faire Fear 3, parce qu'il faudrait une petite pause de Fear, hein, parce que là vous avez pendant deux mois là, entier, vous allez avoir que du Fear, donc faudrait un peu stopper, faire une pause, hein. Donc planning de livraison du système de transport souterrain, commande numéro 3248, destination complexe Steel Island, nombre de conteneurs 3, contenu, conteneur de stockage de plastique, chemise de classement. Imperméable, sac à ordures, on s'en fout carrément. On s'en fout, faut le dire. Vraiment, elle est longue quand même à tirer. Donc, faut vraiment pas faire le. Merde, j'ai raté une apparition ou quelque chose. Merde, j'ai regardé le camion tomber, mais j'ai pas tilté qu'il fallait se barrer, quoi. Allez, j'espère qu'on est juste là. Ouais, c'est bon. Ah, d'accord. En fait, c'était pas une apparition. En fait, c'était le bus qui allait tomber. Donc là, il faut courir. C'est magnifique, du bordel pour rien. Du gros bordel. Ok. Et c'est vraiment ouf, hein, quand même, ce qu'ils font. Alors, vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Même si graphiquement, bon, bah, ça a pas vieilli, hein, mais bah, c'est beau quand même, faut le dire. Vraiment, moi j'adore, hein. Graphiquement, j'adore, c'est vraiment, ça pique pas les yeux, quoi. C'est cool. Putain, mais là ici c'est glauque. On dirait vraiment les couleurs genre Condemned. Condemned, Condemned, bien, comment on dit. Je sais pas s'il est sorti après Fear ou avant, je sais pas du tout. Je pense que c'est avant Fear quand même. J'avais vu un fantôme. Et pour les fantômes, je préfère prendre ça. Oula, mais y a que ça là. Y a que des fantômes ici. Allez. Putain. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Alma, mais là. J'aurais pas cru à ce moment-là, en fait. Il était tout seul, le mec, ou... Ah non, non, non. Voilà, il était pas tout seul. Une armure, s'il vous plaît.
Bon, bah ça marche bien apparemment. En même temps, un laser qui nous traverse, ça doit faire très 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 mal. Les pages jaunes. Ouais, ça va très vite, hein, par contre, les munitions. Mine de proximité, ça veut dire qu'il faudra l'utiliser dans pas longtemps, ça. C'est calme. Ils m'ont pas vu. Il m'a vu, mais comment ils ont fait ça? Qu'est-ce que je vous ai dit? On nous donne un truc de mine. C'est pour quelque chose. Putain, j'ai plus de balles dans celui-là. Celui-là, c'est de la merde. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, la mine a explosé. Je peux y aller. C'était pas pour eux, par contre. Hey, mais avance, putain! Putain, mais en fait, il y a un viseur laser. Bon, il est moins fun ce désintégrateur là que le premier, je sais pas. Il est plus long à arriver vers l'ennemi. C'est un peu pas réaliste quoi. L'ennemi attend de le voir, on dirait. Armure. Ça va faire du bien là parce que j'ai vraiment galéré là par rapport à d'habitude que les gunfights je les passe assez vite. Ok. La ligne de métro le croise près de la station King Street. Ce tunnel est votre meilleure chance. J'aime bien refermer les portes, ça sert à rien. Allez, hop. Ok, j'aurais jamais cru qu'il allait avoir un tramway en fait. Bah j'y ai pensé. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, c'est pas possible, mais en fait, si. En fait, la première fois que j'ai vu ça, un train qui traversait comme ça, dans RE6. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait penser. Dans Resident Evil 6, pour être précis. Oh putain, il m'avait lancé une grenade, j'ai pas remarqué. Et surtout, j'ai pas entendu. La grenade tombée quoi. Allez, dégage. Fais pas chier. Hop. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est quoi ça? Oh non, c'est juste un pistolet. Non, mais comme il était posé sur un truc en plus, j'ai cru que ça allait être bien. Bon, je vais enlever ça. Hop. Je vais reprendre celui-là parce que bon. Le laser, j'aime pas trop. J'aime pas du tout même.
désintégrateur un petit peu plus que le laser, mais j'aime pas non plus. C'est vraiment pas des armes que je préfère, quoi. Plus le pistolet à clous qui a été mal fait, donc vraiment, c'est dommage. Tombé en arrière, le mec. En même temps, des balles dans le gilet pare-balles, ça doit bien faire voler. Lui, il est mort assez vite. Oula. Putain. J'espère que dans le 3FR 3, les sauvegardes aussi feront plus bugger le jeu. Parce que là, j'ai déjà fait FR 3, hein, mais vraiment que le début. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. J'ai vraiment pas fait beaucoup. Je voulais vous faire tout ça, tous ces jeux-là, en let's play et en découverte, en minimum. Minimum de découverte, quoi. C'est mieux de faire un let's play en découverte quand même. Même s'il y a des jeux que c'est mieux de l'avoir déjà fait une fois, parce que sinon on tourne en rond. Hey! Qui gagnait là-bas? Ok, bon, bah, si vous voulez, qui gagne? Le lieutenant Stokes vous a envoyé chercher le sergent qui gagne, qui est disparu durant la bataille. Apparemment, ce dernier pense qu'il poursuit une femme. Le lieutenant Stokes vous a conseillé de localiser le tunnel de chargement d'Armacam qui devrait vous mener à Ceiling Island ou Island, comme vous voulez. Elle vous y rejoindra accompagnée du sergent Morales ou Moral ou Morales. Voilà. Allez, on continue. Ouais, oh, ouais, d'accord. En fait, la sauvegarde était ici, mais elle nous met un petit peu plus loin. Ouais, faut pas rêver, on peut pas retourner en arrière hein, après une sauvegarde. Bah, une sauvegarde comme ça en fait. Hein. Je sais pas comment vous dire ça, mais. Là j'ai peur. Putain, ils vont trop vite. Donc vous l'avez compris, mon flingue préféré dans Fear 2 pour le moment, mais bon c'est bientôt la fin donc on va pas se voiler la face que bah, c'est celle-ci. Hein. C'est celle-ci que je préfère. Eh oh! Elle est où mon arme? Que je préfère. Voilà, elle est là. Je sais pas pourquoi elle a changé. Dans Fear 1, je peux pas vous dire laquelle que je préférais par contre. Mais bon. C'est pas très intéressant en même temps. Alors, hop. Hop. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette musique? Le sniper est très puissant, il tue en une balle. Il faut savoir viser quoi, c'est tout. Et où? Ici. J'adore hein, la grenade en ralenti, c'est ouf. Voilà, il est mort. Non, il y a encore des gens. Des ennemis plutôt. Il m'a énervé. Allez. Il y a des trucs là, donc on peut rentrer là-dedans.
Ah voilà. Alors, hop, hop. C'est quoi ça? Laser, je m'en fous. C'est vraiment... J'aime pas cette arme. Hein. Peut-être vous si, mais moi, je sais pas, j'arrive pas. Sauvegarde, encore une fois. Oula. Merde, une grenade à rien. Toi, je t'ai eu, mais... Tu voulais me surprendre, mais apparemment, t'as pas réussi. Alors, armure. Mine. Ok, j'en ai 4, cool. Je sais pas, les mines, ils m'intéressent beaucoup. C'est fourbe, en fait. Hey. Et ben voilà. On va tous les trouver, je le sens. Et c'est possible de... Je sais pas combien j'en ai eu, en tout. 4 ou 5. Je sais pas. Oula. C'était obligé, ça. Putain. Putain, ça m'a fait stresser. Ok, c'est bien par là qu'il faut aller. Ça m'étonne, mais bon. Attendez, là, il n'y a pas un... Ah, il est là. Oh, merde, je l'avais pas vu, lui. À moins que c'est pour moi. C'est certainement pour moi en fait. Je suis con. Et ben voilà, j'aimais bien cette phase en plus. Par contre, petite pause. Pas parce que je dois faire autre chose. Non, c'est juste pour voir. Hop. Ce qu'on peut. Comment dire. Lancer des missiles. J'ai vu des vidéos. Lancer des missiles avec ça. Alors, mode carte, non. Arme. Non. Interaction. Trousse de soins. Là, je sais pas quoi utiliser. Ben non, je sais pas. Comment on utilise les missiles de cet engin? Je sais pas du tout. Et ben voilà, j'ai trouvé ces G. Attendez, parce que là j'entends rien du tout, j'entends même pas ma voix. Faut que je baisse. Faut que je baisse. Voilà. Eh hey, mais qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai pas demandé de descendre. Complètement fou. Allez, du fight. Tranquillement. Oula. Voilà. Il est en train de souffrir, lui. Le robot. Voilà, je vais aller doucement.
Voilà. Ok, ça c'est bon. Je parle pas beaucoup dans cette phase. Désolé. Faut que je me concentre hein, parce que mon robot là, il y a les choirs. Faut vraiment que j'oublie personne. Voilà, il est mort. Faut essayer de remarquer les... Dégage, les écrits orange là, orange et jaune. Ok. Bon. Alors je vais faire un tour ici, là, tranquillement, pour prendre plusieurs munitions quand même. Puis voir s'il y avait des notes quand même. Faut pas rater ça. Armure, j'en ai pas besoin. Là, c'était lance-roquette, apparemment. Ouais, lance-missile. Mais comme on avait le robot, ça servait pas à grand-chose. On va passer sur les ennemis là pour les munitions. Hop. Faut pas passer à côté. Hein. C'est à ce moment-là qu'il faut profiter de ramasser les munitions parce qu'on n'a pas utilisé nos propres munitions. Voilà, allez, on va avancer. Parce que je vois déjà que ça fait 33 minutes. Ça passe super vite. On va avancer tranquillement. Voilà, il soupire encore. Ça doit être sûrement ça. Oh putain, non, des fantômes. Est-ce qu'ils m'attaquent ou pas les fantômes? S'ils ne m'attaquent pas, ça va. Ça fait mal aux yeux ces fantômes. Hey, qui gagne là? Eh ben, il est plus là. Ok. Faut pas aller là-dedans quand même. Ben si.
Hop. L'ambiance est vraiment ouf là. Tout se casse la gueule. C'est ouf. Ouais, d'accord. Ah ouais. J'ai pas envie de passer là, moi. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Putain, mais il est où cet enfoiré? Trouver le tunnel de chargement d'armes à cam. Ouais, c'est fait. Ramener le sergent Keegan. Bah, ça va être long. Parce que à chaque fois, il disparaît. Donc, soit il est déjà mort depuis longtemps. Alors, voilà. Terminé. Donc, vous vous êtes introduit dans le tunnel de chargement d'armes à cam via une brèche qui semble être l'épicentre de l'explosion qui a ravagé la ville. Vous devez rejoindre le complexe de Steel Island avant qu'Almon ne vous tombe dessus. Vous ne semblez pas être sur le point d'intercepter le sergent Keegan qui apparemment poursuit son chemin. Ok, bon, ça fait 37 minutes, on va s'arrêter là, sinon après, je sais pas après combien de temps la sauvegarde automatique sera là. Donc je vais vous dire à la prochaine, c'était Matenger, à plus.